Salut, bon ben voilà, je crois que c'est le dernier épisode pour ce vélo-là, donc il est complètement fini. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les pneus, mais volontairement j'ai mis des pneus de grosses sections, donc qui sont plus larges que les pneus d'origine. À l'origine, c'était des pneus de route, et là c'est plutôt des. Bon, j'oublie de préciser que c'est du 27 pouces la taille, hein, c'est pas des 700C, c'est du 27 pouces. Donc c'est vraiment ancien, c'est pas facile à trouver pour quelqu'un, si on le laisse en position racing, ils vont jamais trouver de chambre à air pour ça. Et même les pneus sont difficiles à trouver. Donc voilà, là il est équipé avec des pneus qui vont résister plus longtemps parce qu'ils sont plus grosses sections, sont plus épais. Et puis c'est un peu, ça donne un peu un style qui est très demandé en ce moment en Australie. C'est gravel bike, c'est-à-dire des vélos entre des VTT et des vélos de route. Je crois que c'était les vélos en France, ça s'appelait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Déjà, vous savez déjà, mais je retrouve pas le nom. C'était des vélos de cyclocross, voilà. Et donc, ça fait style cyclocross là maintenant, avec le cadre chrome molybdène, le pédalier très léger là, vous voyez, et le système de chaîne. J'ai tout bien nettoyé, vous voyez, la chaîne elle est bien brillante, elle n'a pas trop de jeu dans les maillons, tout est bien propre, tout marche très bien dessus. Donc il devrait bien se vendre ce vélo-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc au final, j'ai rien mis sur le guidon. Il est en aluminium, il est assez joli comme ça. Je vais voir s'il faut que je mette de la guidoline, je le ferai. Mais je le trouve sympa comme ça et je pense qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Donc comme vous pouvez le voir, même les bagues de direction ont été bien polichées, ils sont bien chromés. Donc c'était de la bonne qualité, c'est resté, même si ça avait rouillé un petit peu et que l'aluminium s'était oxydé aussi, que ce soit l'acier ou l'aluminium, les deux sont bien revenus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt, bye bye. Et merci de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait.